Tov Erev Tov, Meshem Hashem, Naase, Ve Natsliach Erev Tov Yitzhak, Yosef. Erev Tov. Je Jérémy. Ouais. Pour l'instant, c'est toujours Adrien. Ouais, c'est mieux, oui. On est ce soir, le mardi 1er du mois de juin, le Kaf Bet, puisqu'on est déjà le soir, on est passé mercredi. Bezrat Hashem, c'est ton nom qui te fait rire ou moi? Tov, Hashem Erachim, Anasi. Cours acheté par Simon Dahan à Yakar pour les 30 jours de l'élévation de l'âme, des âmes, de la tragédie de la soirée de Méron, pour les 45 victimes, victimes parties en Korban, à Shamaïm, pour des raisons que seul Dieu connaît, vraiment. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, une grande consolation des familles, et aussi on pensera à une grande refoua shlema pour Josiane Chana, Julie Bat Simon Rivka, une opération du cœur à qui on souhaite une grande réussite dans cette opération, qu'elle nous revienne vivante, avec une bonne santé pour toujours. Viviane aussi, Bat Esther, Bezrat Hashem, Refouach, Nema, Refouach, Tenefesh, Refouach, Taguf, Moratimia, Kdosha, Vateora, Sarat, Albat, Fred, Myriam, et toute la liste qu'on a déjà donnée ce matin. On pensera aussi à Robin, Amos, Abraham, Haïm, Ben Malka, René, Mahlouf, Ben Sarah, Hayaru, Hama, Esther, Bat Rivka, Yekara, Veille Julo Ben Esmin Yadan, Baruch Ben Soufan, Koulam Be'azrat Hashem, Mishmat Kol Mete Israël, Bichlalam Georges Elio Ben Zibra Alice. Ken. Il y a aussi une grande dame qui nous a quittés aussi aujourd'hui, malheureusement, Rosine Lashkar. Wa Hashem Tenachena Began Aiden, Elion, Vechola Shorvot, Ima, Bichlal Arahamim, Veselchot, Vechen, Yehiratzon, Venomar, Amen, Nishmat Azra Haim, et Mete Israël. Ce soir, chers amis, on a deux shiurim. Donc, j'étais en conférence pendant trois jours, invité à l'hôtel par l'ONU. Donc, les gens croyaient que j'étais chez moi à la maison. Non, non, non. On était tout simplement invité à l'hôtel avec 40 rabbanim. Je suis retourné maintenant cet après-midi à Ashdod. Donc, on reprend notre seder avec l'aide d'Hachem. Je suis vers la porte là-bas, peut-être. On aura deux shiurs ce soir, deux shiurim. Le premier sur un mahamar du Ben Ishraï à propos de la paracha de la semaine. Et le deuxième shiur sur Eshet Ra'il Mi'imtsa. Une dame donc qui a acheté, on parlera d'elle dans le prochain shiur, un commentaire sur Eshet Ra'il, parce que ça prendrait beaucoup d'heures de faire un cours sur Eshet Ra'il. Dans les proverbes, Michelet, chapitre 31, on nous parle là-bas donc de la femme virtueuse. On va expliquer brièvement qu'est-ce qu'une femme virtueuse sur l'ensemble des versets, puisque j'ai déjà fait un shiur sur le Eshet Ra'il, par contre verset par verset. Donc là, on fera une globalité sur qu'est-ce que vraiment une femme. Vous savez, on parle souvent des obligations de l'homme vis-à-vis de la femme, faut respecter sa femme, faut honorer sa femme, faut relever sa femme, c'est le mazal de l'homme, et si t'es pas le soleil, comment tu veux que la lune elle brille? C'est vrai. Ce soir, ce sont les femmes qui vont un petit peu savoir aussi quel est leur rôle vis-à-vis de leur mari. Donc, mettez-vous aussi à l'écoute pour celles qui veulent, tout de suite après ce shiur, Bezrat Hashem, et une grande atzara à Simon Dahan, je crois, qui a acheté ce shiur, que je ne dis pas de bêtises. J'ai été telle perte de mémoire que je viens de poser la question. Quelle honte. À mon ami Trak, quand est-ce que je fais le mariage de sa fille, alors que je l'ai fait la semaine dernière, pour vous dire à quel point la situation. Le pire, c'est qu'il croyait que je plaisantais. Et non, j'étais sérieux, mon cher ami. Shem Yerachem, Manasé. Hein? Non, mais je me demandais où était la Ktouba, moi, le pire. Donc voilà, Simon Dahan Yaka, Bracha Vatsacha. Yala, sans plus tarder, premier shiur, on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble. Bezrat Hashem Ilbarach, que Dieu me donne vite, vite, vite la mémoire, parce que ça me joue des tours qui sont très désagréables, même vis-à-vis des références, même vis-à-vis de l'enseignement. Des fois, j'étais trop en plein milieu. Mais j'ai reparlé avec mon médecin, il m'a dit que ça va s'arranger, c'est une question de temps, à Kol Beseder, et je le sens. Baruch Hashem. Moi, j'ai mis 6 mois pour retrouver l'odorat. T'as mis 6 mois pour retrouver l'odorat après. Ah ouais, 6 mois. Ah, top. Vedaber Adonai el Moshe lemor shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan. La terre de Kenaan. Puisque tu le veux, envoie pour toi des meraglim, des espions qui viendront contourner la terre d'Israël. Il y a un verset qui est très très intéressant dans la paracha de la semaine qui m'a fait un peu sourire parce que c'était un cours que j'ai fait il y a très longtemps. Et Minashamaim, en ouvrant, je me suis rendu compte d'un challenge très très important pour Dieu. Dieu peut tout faire, mais il y a une chose qui est l'épreuve la plus dure de toutes les épreuves. Exactement, et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, dans cette paracha. Dieu peut faire tchouva à qui il veut. Il peut récompenser qui il veut. Il peut punir qui il veut. Il peut faire grandir
qui il veut, rendre riche ou rendre pauvre, qui il veut, donner la santé quand il veut, il est le maître des maîtres du monde. Mais s'il laisse le libre arbitre à l'homme, à son peuple, de monter ou pas en Israël, la réponse est dans la Torah, chapitre 14, verset Tet Zayin, qui dit « Mi bilti yecholet, impossible pour toi, Hachem leavi et amazé et laaretz, Hachem nishbat alaem, de faire faire l'alia au peuple d'Israël. » Sans qu'ils passent leur temps à se plaindre, à critiquer le pays, et à vouloir repartir. Mais bilti yecholet. Yachol ou le yachol, le yachol. Et c'est ce qu'il dit à Moshe, à Kadosh Baruch Hu. Mais t'es Dieu. Tu veux que l'histoire raconte que t'es pas capable de ramener ton peuple sur ta terre. Et que même ceux qui montent, t'auras toujours des gens de la gauche qui vont dire, ouais, c'est pas notre pays. Ou des abrutis qui vont dire avec... tourner Tori Carta comme ça, ils sont pas beaucoup, hein, c'est un petit groupe de Tori Carta. Ouais, c'est tant qu'il n'y a pas de machin, faut pas y aller. Mi bilti yecholet Hashem leavi et amazé la aret Hashem nishba la em ou ishatem bamidbar. En d'autres termes, le challenge le plus dur pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas de faire apprendre tout le chasse à un juif, c'est pas de l'arranger au niveau de ses midot, c'est pas de le marier. Le challenge le plus dur pour un juif, pour Hashem, c'est que son peuple monte de bon cœur en Israël, qu'il reste de bon cœur, qu'il apprenne à se taire et à juger les kafroutes et à s'unir dans l'amour et la hardoute de la Torah, des mitzvot et du prochain. Ça par contre, mais bilti yecholet, c'est pas gagné. Chaque fois que Dieu a réussi, pac, on est reparti. Attaquer la selva, hop, on est venu, hop, on est reparti, il y a 2000 ans en arrière. Et on revient maintenant, hop, il y a 1 300 000 Israéliens en 28 ans qui ont quitté le pays, s'installer aux États-Unis. Yakel Rou, il n'arrive pas. C'est le Ribbono qui nous allume le libre arbitre pour qu'on vienne, pour rester en Israël de bon cœur et qu'on kiffe. Et pourtant, c'est le plus beau pays du monde. Il n'y a pas comme Israël dans aucun domaine. Il n'y a pas. C'est une terre qui respire le juif, qui respire l'histoire du peuple d'Israël. Quand on creuse notre terre, on trouve des vestiges de notre histoire. On trouve des ossements de notre peuple. C'est extraordinaire, Israël. Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir le mérite. Pas de monter en Israël. Ça, tout le monde peut l'avoir, car la terre d'Israël a une place pour chaque juif. Mais elle s'acquiert par des couloirs ambigus, compliqués, beaucoup d'épreuves. Et qu'on arrive à surmonter cela dans un muettisme total, en acceptant avec de l'humilité, de la émouna, de comprendre que c'est juste un moment qui peut être long pour certains, moins long pour d'autres, qui appartient à un monde de réparation qu'on ne connaît pas, mais qui est un mérite pour nous, parce qu'après, la pluie, le beau temps. Advarim Brurim. Alors maintenant, on va voir ce que dit Ben Ishraï. Omer lanu Maran Ben Ishraï, comme l'a dit d'ailleurs mon épouse hier, que Dieu la bénisse, on a pris la mort de quelqu'un aussi, lo anel velo alechem, et on a dit, au moins il a eu le mérite de mourir en Israël. Il a fait sa alia, puis il est décédé. Mais, il est mort en Israël. Les esroutes. Vechiper admato immo, la terre d'Israël fait la capara de celui qui vit là-bas. Sur la terre d'Israël. Alors vous allez dire, enfin bon, excuse-moi, mais enfin, je préfère vivre en galoute que de mourir en Israël. C'est pas si simple que ça. C'est pas aussi facile que ça. Regarde ce qu'écrit Mam Loez en Parashat Vayechi. Et tu verras que tu vas reprendre un peu tes mots en arrière. Local. Bezrat Hashem Yibarach. Mais bon. Qu'est-ce que nous dit le Ben Ishraï? C'est ce qu'on va découvrir. On est avec le Mishkan Shiloh, Ben Ishraï. Omer Ben Ishraï Kadosh, Souto Eganenu, Bessifro, Od Yosef Hai, dans son livre Od Yosef Hai, Klal Beyadenu. Nous avons déjà des généralités dans nos connaissances. Chez Kacher Eshbatora, Shte Inyanim, Smochim Zelazé, quand tu vois deux sujets qui se suivent l'un derrière l'autre, Re, Yesh Kacher Benem, automatiquement, il y a un rapport entre les deux. Automatiquement. Quand tu vois deux sujets qui se poursuivent l'un après l'autre, ce n'est pas deux sujets différents. C'est que l'un vient compléter l'autre. C'est-à-dire Vimken, et si donc Yesh Lavin, il y a lieu de comprendre Aré Parashat Shelach Lecha Anashim VeKorach. La parasha qui suit, c'est la parasha de Korach. Smuchot Zelazo sont reliés l'un à l'autre. Donc la parasha des Meraglim est reliée à Korach. Est-ce que vous pourriez me trouver deux points communs très faciles, Kita Aleph, très facile à comprendre? Si vous avez le temps, vous connaissez, c'est tac au tac, oui ou non? Non, non, on n'a pas le temps. Premier point, on a vu que les Meraglim ont fauté, pourquoi? Bah parce qu'ils n'avaient pas de rave.
C'était les chefs du Sanhédrin, ils ont commis l'erreur fatale de ne pas voir de rab, parce qu'ils avaient eu un rab avant de parler, ils auraient été voir le rab, de la Torah, ce qu'on expliquait ce matin en cours. D'accord ? Ils se sont pris à Moshe Rabbeinu, se pensant supérieur à lui. Korach, il est parti voir qui c'était le rab de Korach ? Sa femme. Il n'y avait pas de rab. De là, tu apprendras dans la vie, Habibi, que tout celui qui n'a pas de rab, Vepoel et Da'at Atzmo. Le Da'at Atzmo, selon son opinion à lui, devient automatiquement ou un des Meraglim ou un Korach sur terre. À critiquer constamment les uns et les autres, les Rabbanim, patati patata. Quoique, je compte faire un cours très prochainement en live avec questions-réponses sur les faux Rabbanim et les arnaqueurs. Il faut vraiment mettre un terme. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux est extrêmement grave. Des enseignements shaker, qui sont dits au nom de leur pensée personnelle et qui ont créé que même des justes sont convertis à d'autres religions. Hachem Shmor, on appelle ça des rabbanim. Je vais en faire un chiour parce que je vois que personne ne bouge et il va falloir, j'espère qu'ils feront tchouva ces gens-là parce qu'ils sont de bonnes personnes à la base. Aval, je ne sais pas ce qu'ils fument, mais il faut arrêter ça absolument et très vite. Ça n'a rien à voir avec les rabbins qui sont prêts à d'autres rabbanim. C'est tout simplement que j'ai des messages que je peux vous faire lire ici. Et à cause d'un enseignement qui a été donné, que j'ai même dit à ma femme d'envoyer sur les réseaux sociaux, de ce que dit un monsieur qui s'appelle Ravintel, je ne vais pas donner son nom pour d'abord passer ni ma bouche, c'est honteux des enseignements honteux qui éloignent les gens du Yémet, de la Torah de Moshe, du Shulchan Aruch Hashem, Shmor Verahem. En conséquence de ça, je reçois des messages de gens qui étaient prêts à se convertir et qui vont aller se convertir au christianisme à cause de ce que c'est dit monsieur rabbin déblatère. Alors que c'est faux, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Et ils utilisent des paraphrases de droite et de gauche pour faire des nœuds. Mais c'est un sujet qu'on rappellera. En tout cas, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que ça a été le cas des Meraglim. Au nom de qui vous parlez? Qui est votre rave? Qui vous a permis d'ouvrir la bouche? Qui? Shkoun? Korach? Tu viens voir mon cher Rabbeinu? Shkoun? Au nom de qui tu parles? Référence? En mon nom. En son nom à lui. Zéperou Shadavar. Premier point, tout celui qui n'a pas de rave, il finit ou comme les Meraglim ou comme Korach. Deuxième point. Les tzitzit. Qu'est-ce qu'il dit Korach? Ça finit en parachat shelach l'ranashim. Les tzitzit. Et Korach, il va utiliser Korach, les tzitzit. Si j'ai un talit qui est tout bleu, est-ce que j'ai besoin, tout bleu, est-ce que j'ai besoin, moi, d'un fil bleu? Il est tout bleu. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un manig? Tout le but de Korach, c'est de retirer une tête au corps. Et qu'est-ce qui se passe quand vous prenez, par exemple, un poulet, vous lui coupez la tête? Qu'est-ce qu'il fait le corps? Hein? Il avance où? Droit? Il saute dans tous les sens. Il va à droite et à gauche. Et qu'est-ce qui sort de lui sur tous les murs? Du sang. Ainsi est celui qui n'a pas de tête. Un pays où il n'y a pas un leader, comme dit le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'on appelle une bête Knesset maudite? C'est quand il n'y a pas le rave. Quand il n'y a pas une tête, le corps, il va dans tous les sens et il jette son sang partout. Il humilie les uns, il humilie l'autre. Pour qui tu te prends? Chacun sait d'être un leader. C'est très compliqué. La reine, il faut toujours une tête. Le chef de famille, c'est une bracha. Des fois, le père, il n'est pas tout le temps bécédère, mais au moins, il est là. C'est une bracha d'avoir le chef de famille, ou la chef de famille, peu importe, qui est toujours manhig. Il faut qu'il y ait un corps avec une tête. S'il n'y a pas la tête, on ne peut pas savoir à qui appartient le corps. Pendant des décennies avant qu'on prenne l'ADN et qu'on voit les empreintes digitales, t'es plus comme toi. Les empreintes digitales, il faut être fif, babouche. La reine, tu prends un corps, tu lui coupes la tête. C'est à qui? Je sais pas. Tu comprends? Le pire, c'est d'avoir que la tête, c'est l'identité du corps. Et quand il y a une bête à Knesset, quand quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, voilà, on a une synagogue, on est français, on s'est fait une synagogue. Bon, on va faire venir un raf pour des cours. Sourdit Palel Shama, mais on va faire venir un raf pour des cours. C'est rave. Bamakom. Et les disputes, elles ont déjà commencé. Tout de suite, ça a commencé. Ouais, pas celui-là, moi je suis là. Entre eux, qui? Des gens qui ne sont pas des têtes. C'est Tamil Torah, c'est le mot Torah, la Halakha, Shulchan Aruch. Il faut connaître. La Chen, Meot, Mesoukan, c'est deux points communs. Et maintenant, on va voir ce qu'il dit le Ben Ishraï. Omer, Smuchot Zolazo, Omaou Akesher Benehem. Yeshiv Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Ben Ishraï ici dans le cas échéant. Amechane Ameshutaf, Ben Shta Parashot Elu, ou Shabeshen Aumutzim, Anashim Ibne Israël, Amdim, Umarhishim et Nivuat Moshe Rabbeinu. J'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné d'avoir donné une réponse sans la regarder.
dans les deux cas de Korach et de Miraglim, ils n'ont pas de Rav et ils marhishim nevoat Moshe Rabbeinu, ils refusent Moshe comme prophète de Dieu. Ils refusent Moshe Rabbeinu comme prophète de Dieu. Les Miraglim n'acceptent pas que Moshe est leur leader puisqu'ils luttent contre lui. Mais kol aholek al rabbo hayav mita, pourquoi ils sont morts les Miraglim? Parce qu'ils ont halko al Moshe Rabbeinu. Ils sont l'achlok al Rav. Korach halak al Moshe Rabbeinu hayav mita. Kol aholek al rabbo hayav mita. Sharev parashat shelah omdim Miraglim dabrim Sarah beret Israël. Parce que les Miraglim sont revenus, qu'ils ont dit du mal de la terre d'Eretzrael, ve'af metilim ba'adofi. Et ils ont, c'est extraordinaire, c'est exactement le sujet dont je vous ai parlé, et ils ont commis une erreur fatale. Ils ont apporté leur opinion personnelle, et donc automatiquement falsifié le Emet. C'est pour ça qu'il faut Da'at Torah. Vous savez combien de fois je le vis? On va raconter une anecdote comme ça, une parenthèse. On est au bureau, shalom Rav Tutu, shalom, shalom, shalom. Le but de votre visite, puisque c'est ma femme qui prend tous les rendez-vous, heureusement qu'elle est là. Shalom Bait. Je dis, oh là là, vous savez, on jette souvent des mots dont on n'a même pas notion de quoi est-ce qu'on parle. Oui. Ouais, ça va plus du tout, faut qu'on vous parle. Genre, vous êtes venus pour ça. Les gens s'assoient et se disent, alors qu'est-ce qui va pas? Bon, je reprends un cas que tout le monde connaît, la belle-mère. La belle-mère, la sorcière bien-aimée de la famille. La belle-mère. Alors j'arrête tout de suite, attends, bon, je vous ai posé une question, il n'y a même pas une minute à la montre, je vous ai dit pourquoi vous êtes là. Vous m'avez dit Shlom Bait. On m'a dit oui, Shlom Bait. Alors j'aurais dit, Lama. Parce que si le problème, c'est la belle-mère, je vous pose la question, vous deux, ça va? Et là, les deux, ah oui, nous deux, ça va entre nous. Alors, donc, ce n'est pas un problème de Shlom Bait, vous avez un problème avec la belle-mère. Ah oui, oui, si vous voulez. Sinon, ça change tout. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre le Da'at Torah. Quand tu dis un problème de Shlom Bait, ça veut dire que si tu enlèves tout le monde, tu le mets sur une île, il se déchire. Un Shlom Bait, c'est entre un homme et une femme. Shlom Bait, c'est Shlom Bait. Que le problème de la belle-mère, ou des beaux-parents, ou des beaux-frères, belles-sœurs, ou les éléments extérieurs touchent le Shlom Bait, on dit... Nous, on va bien, on est touché dans notre problème de Shlom Bait à cause de quelque chose d'extérieur. Il faut faire attention aux mots. Mais comment on nous traduit les choses à la Badou? Voilà, on a un problème de Shlom Bait. Non, vous n'avez pas de problème de Shlom Bait. Vous avez un problème relationnel avec une personne étrangère à la maison, qui est la belle-mère, qui est le beau-père, qui est le beau-frère, la belle-sœur, l'ami, peu importe. Des fois, ça peut être un ami qui met trop les pieds à la maison, c'est casse-pieds, c'est le cas de le dire, trop les pieds. Mais la reine, il n'y a pas de problème, parce que si on a l'ami, vous, ça va? Oui, ça va. Sinon, on va finir en saucisson. Ça la vie. Mais la reine, Bissiata d'Ishmaïa, toute cette division de l'esprit vient du fait des amalgames. Les gens font tout le temps des amalgames. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent Rav Tutu, ça ne va pas du tout. Je dis, oh là là là, vous avez des grands mots. Vous êtes mourant? Ah non, Chas v'shalom. Votre femme est morte? Rav Tutu, dai, c'est honteux, comment vous parlez? Vous n'avez pas mangé depuis 3 jours alors? Chas v'shalom, mais pourquoi vous dites ça? Je reprends ta phrase. Ça ne va pas du tout. Du tout. Tout. Non. J'ai un problème avec mon patron. Je me fais peur. Et le mec, il se met à rigoler. Vous en rigolez comme ça, vous ne vous rendez pas compte combien c'est important ce que vous entendez. Un truc qui ne va pas. 98%. Allez, c'est quoi? 50%, ça ne va pas. 50%, ça va. Ça ne va pas du tout. Ça va, Baruch Hashem, là-dessus j'ai un problème. Et là, tu as toujours l'abruti que moi je suis entier. Moi, quand ça passe sur un truc, pourquoi tu n'es pas entier sur les 50% qui vont bien alors? C'est un choix. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Miraglim. C'est un super pays, il fait beau, il y a des fruits, regardez, c'est magnifique. Il y a un truc qui ne va pas, faut faire la guerre. C'est des géants. Ouais? Bon, ben ok, c'est pas grave. Tu viens et tu dis, écoutez, voilà, il y a des géants, c'est un pays compliqué après tout. C'est ce que Moshe demande. Allez, dites-moi ce que vous avez vu. Mais je ne vous ai pas demandé vos opinions. Je vous ai demandé ce que vous avez vu. C'est comme si que toi, Yitzhak, tu demandes à un ami de voir si les bureaux possèdent des fenêtres. Tu vas là-bas, le mec qui revient et te dit, c'est pas du tout pour toi. Alors par contre, il y a des super fenêtres, mais tu ne pourras pas mettre ton meuble, il n'y aura pas la machine à café, il y aura pas... Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne t'ai pas demandé de me dire si je peux mettre ou pas ma machine à café.
Je t'ai demandé de me dire s'il y avait des fenêtres, c'est tout ce qui m'intéresse dans le bureau, le reste. Je suis électricien. Non ! Moi, je suis électricien, mettre des prises. C'est combien, en combien de temps tu mets des prises ? Rapidement. Rapidement ? Mais lui, qu'est-ce qu'il te dit ? C'est pas du tout pour toi. Je t'ai pas demandé, c'est pour moi. Je t'ai demandé simplement, est-ce qu'il y a des fenêtres dans les bureaux ? C'est moi, je suis claustro, tu vas lui dire. C'est ce qu'il a dit, Moshe. Dites-moi ce qu'il y a. Je vous ai pas demandé votre opinion personnelle. Mais Zabaya Shelami. Cette paracha est tellement d'actualité. Nous, on vient rapporter des choses. Des fois, même des témoignages sur. Bon, tu sais, moi, de ce que j'en comprends personnellement, hop, 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 hop. On va dire ça devant des Dayanim, ce que tu comprends personnellement. Qui t'a dit que tu comprends Bichlal ta vie, toi ? Que ça réussit dans ta vie pour dire je comprends des autres ? Mais t'as Bichlal. Tu as des preuves ? Tu n'as pas de preuves ? Tu te tais. Tu n'as pas le droit de parler. Dans la vie, tu n'as pas de preuves. Il n'y a pas de je ressens, je comprends. Ma pita, Myanmar. Combien de fois on a fait nos excuses parce qu'on s'est complètement trompé sur des jugements ? Des jugements hâtifs. Des situations où on s'est complètement trompé, on s'est énervé, on a honte. On a honte de revoir l'autre. Lama, parce qu'on a été hâtif. Et la Khen, il dit ici, ouais, Mithilim Dofi, leur opinion personnelle, leur identité, ils ont mis dedans. Zod Benigun, Nivuatosh, Moshe Rabbeinu, Shimdubar, Beret, Zabat, Halavut, Vache. Moshe Rabbeinu a dit, c'est une terre de lait et de miel. Et vous avez rendu un pays d'abeilles. גם בפרשת קורח אנו מוצאים שקורח מדבר כנגד הנהגותו של משה רבנו וטוען שכל דבריו נבואתו אינו מפי השם אלא ממשה רבנו ואמרם בעצמו אלא יהיה כשו זה נפלא toujours les personnes de mauvaise foi critiquent l'autre de ce qu'ils sont eux-mêmes לא עלינו ולא עליכם qu'est-ce qu'a dit Korach et qu'est-ce qu'ont dit les meraglim ce que toi tu as dit Moshe ça vient pas de Dieu tu n'es pas un prophète. Ça vient de toi, de ton opinion personnelle. T'es mort. Et toi, ce que tu dis, c'est d'où ? C'est de toi. Ils ont fait un miroir d'une maladie très connue. C'est d'ailleurs la maladie numéro un du narcissique. La pathologie du narcissique, hormis d'être le centre du monde et se prendre pour Dieu. Toutes les critiques qu'il apporte sur les autres n'est rien d'autre que le reflet de sa personnalité. Très connu. On imtsa chez Korach mamad ve yelhish et nevoato shel Moshe Rabbeinu alav shalom ve zehu hakesher ben shtei haparashot shel Lech-Lecha ve Korach. Sheshteihem anu motzeim sheotam yelhishu et nevoat Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas accepté le leader, ils n'ont pas accepté Moshe Rabbeinu alav shalom. Et c'est ce que font souvent d'ailleurs la devise des gourous. Qu'est-ce que font les gourous ? Je vous mets en garde sur ce point-là. Quand vous entendez le Alain Velo Alechem, j'en reparlerai pendant le cours qu'on va faire question-réponse sur les faux rabbanim. Il te trouve, celui-là il est pas bien, cette tendance elle est pas bien. Bon, en fin de compte, il y a toi qui es bien, quoi. C'est les gourous. Les gourous vont vous isoler, votre esprit, de vous critiquer toute personne qui pourrait vous ramener à la raison, de telle façon à ce que vous soyez plus qu'en face d'eux et dépendant d'eux. Par la suite, deuxième plan du gourou, comme ça vous saurez comment il marche, vous dire à vos oreilles ce dont vous avez besoin d'entendre. Par exemple, le mec, il est avec une Goya, ou il ne fait pas encore Shabbat, il dit, c'est pas grave, dans chaque juif, il y a une âme juive qui vaut déjà beaucoup, même s'il ne fait pas Shabbat, c'est pas important. Quand le mec, il dit, elle est belle, j'aime bien ce rap, tu vois. Lui, il est large. Il va te laisser toute ta vie dans ta médiocrité jusqu'au jour de ta mort, tu rendras des comptes. Il t'a sauvé de rien du tout. Il t'a juste emmené là où tu avais besoin d'aller. Si possible, n'oubliez pas de me faire un petit don sur le côté, un petit truc comme ça. Et puis, c'est la devise. Il est pervers narcissique. Séparer sa victime de tout le monde pour l'isoler face à lui, le dominer, lui faire croire qu'il n'y a que lui qui existe pour le sauver de tout et le détruire de l'intérieur. Dans sa pathologie jusqu'à ce qu'on appelle le harcèlement moral. Le détruire, se rendre son cerveau de la bouillie noire. Jusqu'à ce qu'il voit tout noir dans sa vie, il ne croit plus en rien, il ne sait plus qui il est. Il n'a plus d'identité. C'est ce qu'a fait Korach. Il a fait perdre l'identité des 250 princes de la Torah au nom de la Torah. Et c'est pour ça que je ferai un cours sur les faux rabbins. Parce qu'ici on parle de faux rabbanim, les 12 méraglim. Dont deux seulement étaient vrais rabbins. Le reste étaient des faux rabbins. Korach, faux rabbin, démagogue. Et malheureusement, dans notre génération, il y a beaucoup de dégâts qui sont enseignés. Malheureusement, les réseaux sociaux, on ne peut pas filtrer qui parle pas.
Qui dit des références, des pas références. Tu te mets un chapeau, tu te mets des péotes, tu te mets une petite barbe, ça y est, c'est bon, t'es rabbin. Tu peux vendre ce que tu veux à qui tu veux, chez Mishma ou Virachem. Les Omer Akesher Aduk Benhem. Le Korach Nora Vehayav. Il dit comme ça. Anumutsim Shotam et Heshut, Mam Sharabenu. Vealekach Nora Vehayav. Et c'est ici, dit le Ben Ishraï, terrible. Ça nous oblige tous. Ben Beyud Gimel Ikare Arimuna. Comme le précise le Rambam. Anou Omrim Shanou Maminim Bedmouat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Que toutes les prophéties de Moshe Rabbeinu, qu'il ait parlé avec Dieu, qu'il est le leader, qu'il est celui qui a descendu la Torah et qu'elle vient du ciel, font partie des 13 principes fondamentaux de notre Emouna. Il dit vrai, Anivim Acherim, Akol Emet, que tout est pure vérité. Et Kol Divrei Em, Em Ipiv, Akadosh Baruch Hu, et que tout ce qu'il a dit vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, le Mouach Advarim Amourim, Abe Aminu, Anou. C'est incroyable, je vous promets, je n'ai pas lu, il dit ce que je voulais vous dire. Ça veut vraiment dire comment Akadosh Baruch Hu Mamash m'aide du ciel à comprendre les choses. Atzadikim Agdolim Shebador Emiprinat Neviim. Que les grands tzadikim de cette génération, les vrais tzadikim, ils sont les remplaçants de Moshe Rabbeinu Beyamenu. Ve'alken aleinu le'ashmi'a le'rotehem. D'aller sur leurs traces et quand ils nous disent quelque chose, de faire ce que nous disent nos rabbanim. Le kabel divrehem ki ilu nemru mi pi agvura. Et d'accepter que ce que les rabbanim vous disent, je parle des vrais rabbanim, on expliquera qu'est-ce qu'un vrai rab de quelqu'un qui ne l'est pas. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et on verra que Yachid Berabim al-Chalke Rabim. Et puis on verra aussi ces grands manipulateurs médiatiques qui sont très forts. J'ai vu quelque chose d'incroyable sur Kalita. Ils ont fait venir deux rabbanim pour parler de la conversion. Ouais, qui sont dans le même camp, dans la même idéologie. Et quand tu fais un débat, si vraiment tu es quelqu'un d'honnête, ouais, tu fais venir quelqu'un qui est un grand en Torah. Un Tamit Racham, Bémet. Il a ses opinions. Il a même écrit, à ce qui paraît, un shoot sur la conversion. Avec de belles références. Et attention, je ne critique pas son opinion, c'est ce qu'il pense. Je ne suis pas d'accord, pas sur 1% de ce qu'elle a dit, je ne suis pas d'accord. J'aurais bien voulu être invité ce jour-là. Mais l'autre qui était en face, il pense comme lui. I24 m'ont fait pareil. Vous savez, pour l'histoire du Covid-19, ils m'appellent, ils me disent, est-ce que vous êtes d'accord qu'on mette, vous savez, en direct, comme ça on peut voir par le Zoom, on peut se parler pour ne pas rester seul, machin truc chouette. Je donne mon opinion et j'explique ce qu'a expliqué le Rav Shlomo Amar. On parle du Rav Shlomo Amar. Hein? On parle de ce que dit le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Avraham Yosef. Oh, on parle d'Egdolim. On parle du Rav Avraham Deri, qui est Dayan. Ouais. Je lui explique au téléphone. Ouais. Pourquoi non? Il me dit, ah super, c'est hyper intéressant. On vous rappelle, ce soir, à 21h. Ni 21h, ni 22h, ni 23h. D'un coup, le téléphone sonne le lendemain à 21h. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, I24? Bravo pour les médias I24. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits malins? Ils ont appelé un autre rave qui était d'accord de le faire pour l'interviewer. Et moi, ils m'ont appelé un truc qui n'a rien à voir avec ça. Sur un autre sujet, sur lequel j'ai dû apparaître, mais j'ai dit, mais quel rapport avec ce que vous m'avez appelé? Non, on a trouvé un autre rave qui disait ce qu'on avait besoin de publier. I24 au téléphone. Ça s'appelle de l'information? C'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Parce que si tu veux amener une personne qui dit que, par exemple, aujourd'hui, il faut lever tous les vétos de la conversion, une personne qui a envie de dire, tiens, j'ai envie d'être juif. Le lundi, dans mon lit, j'ai envie d'être juif, mais je ne veux pas faire Shabbat et je veux sortir, prout ça. Oui, mais enfin bon, dans notre génération, si ce qu'il ressent, il veut adhérer à Dieu, il a la émouna en Dieu. Ouais, c'est bien. Fais venir le Rav Yitzhak Yosef en face de toi. Hein. Le Rav David Yosef, fais venir le Rav Shlomo Amar, fais venir le responsable qui m'a donné d'ailleurs l'autorisation de convertir ici dans le sud d'Israël, avec qui je me suis assis de longues heures à Jérusalem, Tiben et Betikonen. Là, c'est un débat intéressant entre deux lions qui vont se battre en disant « Mais faut t'aimer bien, ça trompe le peuple. » En plus, qu'est-ce qu'ils font là-bas, chez Mishmon Virahem? Ils font intervenir une libérale qui vient témoigner, bon, elle ne fait rien de mal, elle vient témoigner en disant, moi je suis libéral dans mes idéologies, j'ai envie de me convertir au judaïsme, je sais que ça va me poser problème avec mes enfants plus tard, parce que si je veux les marier, enfin, on ne sait pas où est-ce qu'on va demain, elle dit gentiment, mais moi je n'ai pas envie d'être Shomer et Shabbat, si j'ai envie d'être juive à ma façon d'être, je veux être converti. Ils reviennent sur ce rabbin qui dit, bah oui, et donc la journaliste lui dit ouvertement, alors si je comprends bien, si une personne donc vient se convertir chez vous, par exemple, qui ne veut pas être Shomer et Shabbat, donc il n'y a pas de problème pour vous. Et il répond,
On ne peut pas obliger un converti d'être plus juif que la génération juive vit aujourd'hui. Mais en douille, un juif, il est né juif. Ça, c'est un choix. Tu dois adhérer, tu vas jurer devant les trois Dayanim d'adhérer aux 613 mitzvot. Là, Imoula ne suffit pas. Alors, il apporte une partie du Shulchan Aruch. Très malin. Parlons de adhérer à la foi juive. Mais on n'est pas des chrétiens, croyez-en moi, vous serez sauvés, c'est pas comme ça que ça marche. Mais comment on peut être aussi bête que ça? Comment on peut être aussi bête que ça? Non. Pourquoi? Voilà. Allez, il faut être large d'esprit, il faut ouvrir les portes. Résultat des courses, on emmène le peuple à Abaddon. Rabbi Nachman, il avait dit noir sur blanc. À la fin des temps, se déguiseront des gens rabbanim, et feront tomber le peuple d'Israël. La Torah est immuable, la Torah ne change pas. On monte vers la Torah, on ne la fait pas descendre vers le peuple. On fait monter le peuple vers la Torah. On ne réforme pas la Torah. Et un converti qui veut se convertir, moi je suis pour dire qu'effectivement, il faut être un peu plus rapide dans les conversions, être un peu plus intelligent dans les conversions, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment sur le chemin de l'amour de la Torah et des mitzvot qui veulent vraiment se convertir. C'est trop long, c'est trop compliqué et c'est devenu presque décourageant. Mieux vaut récupérer nos frères juifs qui sont assimilés que de les laisser se perdre avec l'assimilation. Je suis le premier à le dire, mais en respectant la halakha, en respectant le devise de nos rabbanim, pas en faisant n'importe quoi. Et bien entendu, plein de gens, bravo, ça c'est un rab. Ben oui, c'est évident. Mangez du porc les mecs, parce que bientôt ce sera cacher, il a le sabot fondu. Bon, à l'intérieur, on voit pas que c'est pas un ruminant. C'est pas grave. Vas-y André, fonce. Non, mais attends, où est-ce qu'on va? Faut appeler Gad Elmaleh, Dieu t'en faire un sketch. Non mais sincèrement, que Dieu le bénisse, faut qu'il en fasse un sketch. On tombe dans un monde de fous. Intéressant, moi demain, Bezrat Hashem dans le Binyan, on compte faire une radio, si Dieu veut. Bezrat Hashem, j'en ai encore parlé récemment avec elle, Lankri, que Dieu la bénisse. Mais moi je vais faire des débats. Si je fais la radio, je fais des débats. Qui passe Rouga face à qui passe Rora, les blancs contre les noirs, c'est sympa comme ça un truc. Mais faire venir un Talmid Chacham comme le Rav Uri Sharkey, qui est un grand Talmid Chacham que je respecte et que j'aime vraiment Choto Vechalosham, mais je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit. J'ai des références, il a les siennes. Je comprends, mais je respecte. C'est un vrai Talmid Chacham. Mais en face, ou le Rav Yoel Ben Arosh, intéressant de faire venir avec le Rav Kook, le Rav Shmuel, Rav Kook face à un grand Talmid Chacham comme le Rav Abdel Hak. Ce serait intéressant, par exemple, le Rav Yitzhak Cohen, que Dieu le bénisse. Nachon, Aouvi, Edith Nafshi. Le Rav Ilan. Fitoussi, Ayakar, Bezrat Hashem, tous ces rabbanim, il y en a beaucoup de bons rabbanim. J'étais à Hadera hier soir, Talmidei Chachamim. Intéressant de voir nous, tu as compris le Talmud. Ah ben, ça, c'est des vrais débats. Ça, c'est apporter un débat intelligent, que les gens, ils écoutent la vérité, mais des deux sons de cloche. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Deux du même truc, du même clan, ouais. Hein, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, moi, j'ai lu ton livre, t'as raison. C'est stupide. Mais il y a des gens qui ont voté pour Bennett, s'ils ont demandé à leur rave, de voter Bennett. Parce que moi, j'étais voir le Rav Zuckerman, qui était il m'a dit de sa bouche, surtout pas. Je ne parle pas de ces élections-là, d'avant. Mais je peux vous affirmer que le peu de gens que je connais qui ont voté pour Bennett, ouais, n'ont pas de Rav. Moi, je parle des gens que je connais autour de moi, dans ma propre famille, qui ont voté pour lui, ils n'ont pas de Rav. Il n'y a pas de Rav. Parce que s'ils avaient un Rav, ils n'auraient pas commis une telle erreur. Ou plutôt une telle horreur. J'aime Shmor Verachem. Mais comment il sait le Rav? Hein? Comment il a reçu le Rav, il aurait dit... Écoutez, je vais vous expliquer des choses. Bezrat Hashem. Karmevia Ben Ishraï. Badvarim Ha'ele Bezrat Hashem Itbarach. Badvarim Morim. Beyaminu. De suivre notre tzadikim. Ni aller à droite, ni aller à gauche. Ce qu'ils te montreront, c'est ce que tu feras. Comme ça dit le verset Bezrat Hashem. Aselech Harav. Et le plus merveilleux de toute l'histoire, c'est que l'Aimunat Rachamim te permettra de ne jamais te tromper. Aleph. Bet, que l'entière responsabilité reviendra à qui? Au Rav. Ce qui fait que même toi, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, comme ton Rav te l'a dit, Bezrat Hashem, celui qui paye, c'est le Rav. Ainsi donc, tu es toujours gagnant quand tu as un Rav sur la tête, car un corps qui a une tête fait de lui un homme équilibré qui sait où il met les pieds à chaque pas de sa vie. Bezrat Hashem Itbarach. Niskel et Choix de Nechamot, je vous dis à tout de suite pour le prochain cours super intéressant sur Echet Chaïl. Bezrat Hashem, kol tov. D'accord.